Bonjour tout le monde, on va voir maintenant une petite application sur les pronoms personnels qu'on a déjà vus. Donc on va se focaliser sur le verbe manger, c'est-à-dire à quelle heure, colo, etc. Donc on va commencer par il mange ou tu manges ou je mange. Donc je mange, je mange. Je mange en arabe. Je mange. En arabe, c'est ana, 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 c'est-à-dire moi, je, ana, c'est-à-dire je, ana. Ana akulu. Ana akulu. Donc j'ai ici ana akulu. Donc vous pouvez la avoir comme ça. Ana akulu. Tu manges. Il mange. Elle mange. Tu manges. On va dire tu manges. Un temps. Ta. Coulou. Mais tu manges en langue française, on sait que tu manges, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes, pour le garçon comme pour les filles. C'est-à-dire que c'est valable que ce soit pour le féminin et pour le masculin. Ça, on le sait tous. Anta ta'kulu, ça c'est pour le fait le masculin. Parce que je dis par exemple anta anta ta'kulu. Je parle à un homme, je lui dis anta ta'kulu. Mais pour le féminin, je dois dire anti. Voyez-vous bien ce anti? On va commencer par ta cou. Mais avec ce ti, on va dire ta coulina. Donc ça, c'est pour le féminin. Maintenant, il mange. Il mange, c'est-à-dire wa ya e kulu. Et pour elle mange, on va dire ya ta kulu. Donc vous voyez la différence. C'est la différence, c'est wa, on dit waya et hiata. Donc waya hiata. Waya kulu hiata kulu. Méfiez-vous. Hiya devant, ça devient kulu. Ça c'est pour le féminin. Ça, c'est pour le masculin. Vous avez un ta'koulou. C'est similaire. Ta'koulou, ta'koulou. C'est comme ça. Je dis un ta'koulou. Wa hiya ta'koulou. Un ta'koulou. Wa huwa ya'koulou. Donc, si j'ai un homme qui est devant moi, je vais lui dire un ta'koulou. Wa huwa ya'koulou.
Si j'ai une femme devant moi, je vais le dire. Je vais dire, Anti ta'kulina, wa hiya ta'kulu. C'est comme ça en effet. Donc vous allez assimiler ça, je l'espère. Donc je mange, tu manges, il mange, elle mange. Nous mangeons. Nous mangeons. On va dire nous mangeons. C'est nahnu. Nahnu. Na koulou. Donc ça c'est valable pour le masculin plus le féminin parce qu'on a dit dans pour plus féminin parce qu'on a dit dans la révision qu'on a vue précédemment on avait déjà dit que nahnu est valable pour le masculin comme pour le féminin. Donc on a déjà parlé de cela. C'est pour cette raison qu'on peut dire nahnu na'kulu. C'est pour cette raison que nahnu na'kulu est valable pour le féminin ainsi que pour le masculin. Donc, vous avez, vous mangez. Vous mangez. Vous mangez, on va dire. Vous mangez. Antum. Non. Vous mangez en arabe. Il y a d'abord pour deux personnes. Pour deux hommes. Et aussi pour deux femmes. Alors pour deux hommes, vous allez dire. Antuma. Antuma. Alors vous allez voir en effet comment on a une certaine harmonie qui va apparaître là. On va dire Antuma e ko lani. Malani. Est-ce que vous voyez le son? Il y a une beauté de son. Vous ne dites pas antuma ta'kulu. Non, on dit antuma ta'kulani. Malani. Malani. Antuma ta'kulani. C'est valable aussi pour deux femmes. On passe maintenant à il mange. Ah, j'ai pas, j'ai donné la forme duale. Je vais donner la forme plurielle. Eh bien, en pluriel, vous, on va dire antum. Ça, c'est pour absolument trois hommes au plus. Entum, ah, vous allez voir ce qu'il va se produire. Ta, ku. On prend cela et on la remplace par luna. Entum ta, ku, luna. Tum, luna. Vous voyez le son? Tum luna, antum ta'kuluna. Je peux pas dire antum ta'kulani. C'est tumlani. Tum luna, c'est mieux. Donc antum ta'kuluna, c'est pas antum ta'kulani, mais antum. Vous êtes trois au plus, on va dire antum ta'kuluna. Si vous avez maintenant
trois femmes ou plus. Vous allez dire Antuna. Non. Est-ce que vous voyez ça? Antunna ta'kulna. Tunna kulna. Tunna kulna. Tunna kulna. C'est le son. Antunna ta'kulna, c'est pas. Je vais pas dire Antunna ta'kuluna. Mais Antunna ta'kulna. Antunna ta'kulna. Maintenant, il mange. Ça, c'est pour les hommes. On va dire homme. Tumta, tumta, non, ça je veux dire ya kuluna umya. C'est pas humta mais umya. Kuluna. Elle mange. Je vais utiliser una. Et je vais dire ta. Continuez-moi cette phrase. Il faut la continuer. Essayez de continuer cette phrase-là. C'est pas ta, désolé, mais ya. Hunna ya'kulna. Ya'kulna. Hunna ya'kulna. Donc, juste au lieu. Antum ta'kuluna, antunna ta'kulna. Antunna ta'kulna, hunna ya'kulna. Hum ya'kuluna, hunna ya'kulna. Donc j'espère que cette application est bien claire. Après, on va voir une autre.